Alors, nous sommes bien arrivés à Lille. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé un emplacement de parking gratuit. Donc on ne doit pas payer. Ce qui est bien, c'est qu'il fait froid, mais il y a du soleil. J'adore ce temps. Voilà, donc, mais je vous ai pas dit où on allait. Mais vous avez vu l'intitulé du vlog. On va au festival. 1, 2, 3, Solal. Et au soir. 1, 2, 3, Solal. Et ce soir, il y a le concert de Gao. Donc on est hyper, hyper contente. Enfin, c'est le jour. Ce qui est juste un peu dommage, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs qu'on aime beaucoup qui viennent le dimanche. Et nous, on est là le samedi. C'est chaque fois, on a une chance de merde par rapport à ça, mais bon. Mais oui, enfin, là on vient samedi parce qu'il y a Gao samedi. Enfin, voilà, c'est ça. Du coup, on a pris samedi, mais si on avait su, on aurait pris dimanche. C'est ça quoi, comme ouais, ça on serait. Bon, après on aurait fait la route, mais quand on voit, on a de. Comme elle est venue chez moi dormir à la maison, de chez moi il y a quoi, 55 minutes ouais. Jusqu'ici, donc ça va, c'est pas loin. Et voilà quoi. Donc je pense que c'est dans ce bâtiment là, on pense. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai passé à dire. Ah, bah, je vois du monde, ouais, c'est là. Ouais. Oui, effectivement, ça doit être là. Je vais pouvoir faire pipi. Ah oui, parce que dans faire pipi, il y a un monsieur qui regarde. Ouais, je n'en dois l'entrée par contre. Oui, je sais pas. Ah voilà quoi, on vous reprend tout à l'heure. Et moi, je suis dans le soleil. Et mes cheveux, regarde mes cheveux. Regarde mes cheveux. On dirait que je suis chaud. Non,
이렇게 다 그렇게 다다다다 사실은 다 행복은 돈이 벌어 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 파는 만큼 세금은 다다다다 아까워 마 커지는 걸 야야야 적을 사랑한다는 걸 자랑한단 걸 미워하는 것도 사실 다 사랑한단 걸 그대로 한번 miss you 그대로 다시 miss you Ça va, tu t'en sors? C'est quoi? C'est des crêpes coréennes. Me demande pas le nom, je sais pas. Ça floute. Wow. Les gars, ils sont là. Je voulais vous installer ici, voyons. Prenez place. On va être confortable. Promis. Mais oui. Franchement, je vais pas les présenter, ils vont se présenter parce que je pense que vous les connaissez déjà. Ah non, non, oui. Allez-y. Allez-y. Ah, hello. Ah, hello. Hello. Je m'appelle Jason. Et je m'appelle Kita. Et bienvenue. Bienvenue. Oh, je sens l'amour. J'adore. Je leur ai posé une colle là, direct, bim. Allez, présentez-vous, comme ça au moins c'est fait. Ben, bonjour, moi je me présente aussi à Mathias, c'est vrai qu'on ne s'est pas encore bien rencontré. Enchanté. On va passer un bon petit moment ensemble. Ouais. J'espère que tout le monde est ravi d'être là et vont pouvoir vous poser des questions en plus. Ouais. Je veux vous dire que depuis ce matin, ils sont excités à l'idée de vous rencontrer. Très gentil, merci. Carbonate flamande. Ah, carbonate flamande. C'est bon ça? C'est belle genre, ouais. Franchement, c'était trop bon ça. C'est vrai? J'aimais bien. Franchement, j'aime bien ça. C'était comme le goût bulgogi. Mm-hmm. C'est pour ça, c'était sympa, c'était assez sucré, c'était trop bon. Bon, l'île s'est validée du coup. Oh, bah, oui. On a la chance d'être avec une équipe et du coup, la personne avait étudié à Lille et elle nous a emmenés dans un restaurant très tradi. C'était très mignon et c'était très bon. Je pense que l'interview va se terminer avec une seule personne. On a une petite question ici. Hop, je vous laisse passer le micro. Thank you. Alors, avec plusieurs personnes, on se demandait, je ne sais pas si vous en avez parlé sur les réseaux, si vous avez un projet de vous marier du coup. Et si oui.
Bah Jason, il attend que ça. Et si oui, en France ou dans un autre pays? Merci d'avoir respecté notre engagement. Je te donne l'argent après. Je pense que Jason t'a demandé quelque chose, non? Non. Je t'ai demandé de poser cette question. Elle m'a donné son rythme, j'ai pas compris, moi. Eh ben, on va laisser Fichon répondre à cette question. Ah, qu'est-ce que vous en dites, compatriotes français des Français? Déjà, lui, il attend le mariage. Mais jusqu'à maintenant, moi, je pensais que le mariage, c'est... j'ai pas besoin de se marier comme ça parce que j'ai grandi en Corée. Mais quand on est gay, on pense même pas à se marier parce qu'on peut pas. Mais en France, tandis que je reste avec. Quand je reste avec Jesse, il me dit c'est bien de se marier. En plus, c'est son rêve. C'est pour ça qu'il veut se marier. Il m'a dit ça souvent, presque tout le temps. J'ai réfléchi à ça. Je pense que si, oui, on va se marier un jour. Mais je pense que ça va être en France. C'est un qui dit ça, un jour. Mais je pense que ça va être ça en France. Parce que dans l'autre pays, je n'ai pas pensé à d'autres pays. Non, mais c'est une idée que... Enfin, c'est une idée. C'est vrai que j'insiste beaucoup dessus parce que moi, ça me fait rire. Personnellement, ça me fait rire. Mais on sait très bien pour le moment... Enfin, moi, j'ai un schéma très traditionnel. Je veux me marier, je veux avoir des enfants. Enfin, le mariage, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, je trouve qu'on perd un peu la valeur du mariage. Et je sais pas, moi c'est une valeur qui est très très importante pour moi, tout ce qui gravite autour et tout ce qui est véhiculé par un mariage. Thank you.
Non, pas à ce point. Je suis en train de rêver.
Pardon madame, excusez-moi madame. Oh, vous prenez des. On est pas les petits essuie-glaces parce que. Hein. Voilà. Hein. Heureusement que je suis. Quelle est petite ma voiture. Olé. Bon, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé dans la journée et tout, mais on voulait.
avez vraiment profité du moment. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a juste kiffé à mort. L'organisation était juste géniale, que ce soit au niveau du festival, mais la prise en charge par le staff, même les fils, les personnes qui nous donnaient les bracelets, ils étaient tous... Ouais, je pense que vous... Ouais, on met du gao pour encore rester dans l'ambiance, quoi. Évidemment. Et non, franchement, tout était juste génial, quoi. C'était vraiment trop bien. Ouais, c'était vraiment cool. Il est incroyable, il est trop gentil. Tellement gentil, il est tellement doux. Oh, génial. Il est trop bien. Il est... Bon, vous nous voyez quand même. Oui, vous nous voyez. Vous nous voyez. Tu veux j'allume? Ouais, allez. La rivière, voilà. C'est mieux. Non, franchement, c'était juste génial. Et Gao, comme elle a tout dit, je sais pas quoi dire de plus. On était déjà très amoureuse de lui. On est encore plus amoureuse. Il est trop. Waouh. Je sais pas, il dégageait tellement de douceur quand on a été faire la photo avec lui. Et puis sur scène, il était tellement adorable. Ouais. Il a écrit une chanson en plus. Ouais. Et à la fin, il a même chanté une chanson en plus qui n'était pas prévue. Tu voyais qu'il voulait pas partir. Vous voulez rester, ouais. Alors j'ai rencontré BJ aussi, enfin en vrai. Il y avait Corée et Beau aussi. Franchement, ils sont trop chouettes. BJ, t'es si grand toi. Mais il est trop chouette, franchement. Bon, à mon avis, vous connaissez déjà, bien plus que moi, mais si vous ne connaissez pas encore, foncez, allez vous abonner à leur chaîne parce qu'ils font vraiment du chouette contenu. Voilà, oui, je fais de la pub pour les autres youtubeurs. Il faut se soutenir entre youtubeurs. Mais on ne sait pas quoi vous dire de plus. C'est le premier concert de 2023. On a juste passé un excellent moment. On fait déjà, si les personnes qu'on a rencontrées au festival voient ce vlog, on vous fait coucou. Franchement, une très belle rencontre avec vous aussi. C'était juste très très chouette. Ouais, franchement, de très belles rencontres. Tout le monde était vraiment humain. Ça faisait du bien. Et on a rencontré BJ. Oui, surtout on a rencontré. Oui, juste génial. C'est des amours ces hommes. Des amours. Vous les voyez dans YouTube et TikTok, ce sont vraiment des amours. Et t'as l'impression que c'est des anges venus du ciel tellement qui dégagent juste de la bonne humeur, des bonnes ondes et juste des super beaux messages, quoi. La liberté d'expression. Ils sont tellement bienveillants que. Et c'est ça, la bienveillance incarnée. On peut que se sentir bien auprès d'eux. C'est ça. En fait, la journée, on a fait le tour du festival qui était très rapide, mais il y avait de chouettes exposants et tout. Enfin, vous avez vu ça au début du vlog. Puis vers 2h, il y avait la conférence entre guillemets de Oui et Jason. On voulait vraiment y aller. Et puis à 2h30, c'était les dédicaces. Donc on a voulu avoir les dédicaces. On a eu leur signature. On a pu échanger pendant 5 minutes. C'était vraiment trop trop cool. Et puis on a pu faire une photo avec eux aussi, que je posterai évidemment sur Instagram. Évidemment, on a fait un peu les dingues. Ils ont fait les dingues avec nous. Donc c'était vraiment trop cool. Franchement, on a rencontré que des amours. Vous êtes des amours, les journées. Génial. Franchement, c'est ça. Plein de bonnes ondes. C'est ça. Et ça fait du bien à l'heure actuelle, dans le monde dont on vit, de voir qu'il y a encore des gens bien dans ce monde, tu vois. Que tout le monde n'est pas pourri, mauvais, intentionnellement. On voit que c'était vraiment qu'une bulle d'amour, ça faisait trop du bien. La journée, franchement, pour commencer l'année, c'est un trop bon. Tu l'as pas. Trop bien. Génial. Donc là, on est en route. Il nous reste 43 minutes. On n'est pas loin. On n'est même pas à une heure de ma maison. Donc on sera vite là. Et on va se reposer dimanche et lundi. Et regarder les photos. Oui, ça aussi, on fera ça tout demain. Le vlog sortira peut-être dans la semaine parce que je voulais déjà commencer à le monter lundi. Mais lundi, on va pour le concert de The Rose. Donc ça sera ma priorité. Et vous aurez un vlog aussi. Donc voilà, ça sortira dans la semaine. De toute façon. Ouais. Voilà. Et pas le temps de remettre nos émissions parce que lundi. The Rose! Moi pour la troisième fois, elle pour la deuxième fois. Mais on a trop trop hâte de les revoir en plus. On fera la file très tôt pour essayer d'être prêts aussi. Et... Ouais, voilà. Et qui est d'ailleurs, c'est un peu grâce à eux qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est toute une histoire d'amour. Et voilà. On est des âmes sœurs, mon amitié, c'est incroyable. Donc, oui, c'est hyper symbolique parce que c'est la même salle et le même groupe. Ouais. Après 3 ans. Donc, c'est hyper symbolique. Même endroit. Ouais. Bon, pas même, pas même jour, mais c'est grave. Même heure, la porte. C'est pas 10 ans après non plus, mais bon. Mais non, mais franchement, on est hyper objectif. Si vous voulez aller au festival Solal et même la Quai France qui est vraiment hyper bien organisée. C'était hyper bien organisé. Franchement, je vous recommande s'ils font d'autres événements. Nous, si l'année prochaine ils refont un 2-3 Solal ou même si c'est eux qui organisent un truc et qu'on peut
se permettent d'y aller, je pense qu'on va foncer. Franchement. Ouais, non, ils ont été tout le stage génial, avec génial. Qui on a pu parler. Ouais. Ils étaient hyper gentils. En fait, c'était juste une boule d'amour et de bienveillance ouais. toute la journée. Même les gens qu'on a rencontrés. Donc, j'ai eu génial. Vraiment génial. Bon, il y a un bémol, le seul et unique. Oui. Le corn dog. Oui. 9 balles, les gars. On en a pris qu'un. On a partagé en deux. Hein. Mais 9 euros. 9 euros. Vous vous rendez compte ? J'ai abusé les prix, les gars. Là, vous abusez. Vraiment. C'est un dog, c'est de la street food, ils ont dit que c'était pas cher. Vous voyez ma tronche de près, vous allez voir toutes mes rides. Non, je rigole. Du coup, on a mangé un corn dog quand même. On s'est oui. partagé à deux. Ouais, mais c'était vrai bon. On a pas filmé notre tout le moment de manger, merde. Oh non, mais ce serait un petit peu dur de manger, de tenir la caméra. Et on avait plein de fromage partout. Je pense qu'on vous a épargné quand même ça, quoi. Hein, je sais pas. Ah oui, par contre, on a du coup mangé des crêpes coréennes oui. aux légumes. Et la madame, la Atuma, elle nous a offert la deuxième crêpe. Ouais, trop gentil. Dur, vous savez quoi, je vous donne la deuxième. Ouais, donc on a payé pour deux. Une. Voilà. Et on a pris des tobiyaki aussi. Ouais. C'était bon. Ah, mais avec 5-6 dans le pot pour 5 euros. Mais bon, on avait faim, donc voilà. Et on a bu 15 Sprites et elle a un iced tea. Donc là, on est sur la route pour la maison. Si on voit un truc, on va se prendre à boire parce que moi j'ai trop soif là. Donc voilà la petite rétrospective de la journée. J'ai plus filmé le concert que la journée. Je vous ai montré un peu les stands et tout. Mais je peux juste vous dire, foncez s'il faut un événement. Voilà. Voilà, voilà. On vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve à très vite pour de nouvelles aventures. Évidemment, toutes les deux comme d'habitude et pour de nombreux prochains vlogs. Et j'espère que celui-ci vous a plu tout autant que les autres. Bisous.